Bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo, deuxième étape de la série de 12 vidéos sur l'apprentissage du banjo bluegrass. On va se pencher aujourd'hui exclusivement sur le roulement avant. On avait découvert dans la précédente. Roulement avant, on va regarder quelques idées de roulement avant, quelques formules rythmiques et avec des cordes différentes, des choses que l'on peut rencontrer qui vont vous permettre de travailler ce roulement avant, qui va être finalement le roulement principal. Donc premier plan aujourd'hui, 1, 2, 3, 4... Voilà ce que donne ce plan-là. Donc je vous propose de le faire ensemble pendant 4 fois. C'est un plan qui fait une mesure, donc il est joué 2 fois pour faire une mesure. Le premier temps, c'est... Donc on a 2 doubles croches et une croche. Ta, 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 ta. Et donc pour faire une mesure, on joue 2 fois ce plan-là. Puisqu'une mesure contient 2 temps dans la musique bluegrass, les mesures sont à 2 temps. Et donc si je vous fais une mesure entière, ça donne ceci. Donc ce que je vous propose, c'est de jouer ensemble 4 fois cette mesure, ça va donner ceci. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Voilà pour cette toute première mesure en roulement avant avec un petit élément rythmique avec 2 figures de notes différentes, la double croche et la croche. À vous de travailler pour avoir cette régularité et régularité dans le rythme et dans le volume également. Essayez d'avoir un volume égal. Deuxième exercice, on va être toujours en roulement avant, mais là on va faire 8 notes et ce que l'on va rencontrer de manière systématique dans les roulements avant ou arrière, c'est que pour faire 8 notes, on va avoir besoin de 2 fois 3 notes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ensuite les 2 dernières notes, ça va être par exemple pouce majeur, pour faire 8 notes, pour faire une mesure complète. Et ça, on va pouvoir le mettre en boucle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et on repart du pouce, etc. Donc la mesure que je vous propose de travailler, c'est... Cette mesure, on va la mettre en boucle. Donc je vous propose de la jouer ensemble, juste 2 fois de suite. 1, 2, 3, 4. Etc. On a du mal à entendre les temps et les contretemps parce qu'on va très très lentement. Donc là, on entend finalement beaucoup plus les notes comme des notes individuelles. Donc il faut vraiment compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour pas se décaler. Et puis dès que vous avez la possibilité d'aller un peu plus vite, eh bien, on comptera de cette façon-là. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1. Une vitesse satisfaisante qui permet d'entendre l'accompagnement qu'on pourrait jouer derrière. Voilà pour cet exercice en roulement avant. Ce que je vous propose pour continuer, c'est un exercice en roulement avant qui va se décaler sur 2 mesures. Donc on ne va pas avoir un roulement 3-3-2 comme ça qui s'arrête au bout d'une mesure. Il va se prolonger, on va avoir 3-3-3-3-3. On va avoir 5 fois nos 3 doigts à la suite, ce qui fait 15 notes. Et puis la dernière, ma foi, on la laissera une petite un petit temps de plus pour avoir 16 notes, en fait 16 figures de notes, 16 doubles croches qui correspondraient à 2 mesures. Donc si je vous le fais sur 2 mesures, ça va donner ceci. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ce que je vous propose pour terminer cette vidéo, c'est un dernier roulement avant qui va nous obliger à écarter un peu plus les doigts de la main droite dans une position qu'on rencontrera très souvent, avec le pouce qui sera sur la 5e corde, l'index 3e corde et le majeur 1re corde. Et donc là, on va travailler un petit roulement sur ces 3 cordes-là, avec ces 3 doigts-là, qui se passe également sur 2 mesures. Et donc il va commencer avec une croche sur la 3e corde jouée par le pouce, et ensuite le pouce va passer à la 5e corde. Donc ça fait ceci, et ensuite on va jouer 4 fois le roulement avant pour terminer, pour aller jusqu'à 2 mesures. Donc si je vous le fais en entier, ça donne ça. Ensuite, on va pouvoir le mettre en boucle à la vitesse qui vous permet d'atteindre une certaine régularité, pour ensuite être capable de le jouer en boucle à une vitesse de 40 par exemple, ce que je vous propose de faire 4 fois de suite, comme précédemment, avec un petit accompagnement. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Voilà, on en a terminé pour cette présentation des roulements avant. On continuera dans la prochaine vidéo avec les roulements arrière et puis quelques exercices pour se les mettre dans les doigts et dans la poche. Donc, très bon picking et à bientôt.